Bonjour, je suis retournée en France. Je suis à Nantes maintenant, chez ma famille d'accueil. Et aujourd'hui, c'est le dernier voyage du semestre. Je ne peux pas le croire. Il reste 2 semaines ici et je retourne aux États-Unis. C'est déjà la fin du semestre. Aujourd'hui, c'est un voyage à Clisson. On va à un vignoble. Je connais pas beaucoup sur Clisson, mais on va voir aujourd'hui. Et aussi, récemment, j'ai tué des araignées dans ma chambre et on sait que le temps fait beau parce que maintenant tous les insectes, ça sortent. Et ici, il y a la jambe d'une araignée très très grande. C'était très... Ça me donne peur. Les araignées me donnent beaucoup de peur. Donc, on y va dans le voyage. Voilà Clisson. C'est très très belle. C'est comme dans une histoire. C'est très belle. Oui! Regardez toute la nature et les bâtiments. Et nous sommes toutes seules. Nous sommes les seuls humains. Les seuls humains. Ah! C'est bon, tu l'as? Oui. Oui. Nous avons acheté un poulet. Un poulet entier. C'est pour le déjeuner libre. Et on va pique-niquer, c'est un mot? Pique-niquer, faire un pique-nique. Ici, tout près de la rivière de Clisson. Et voilà Clark qui a apporté son propre déjeuner. Oh. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile de couper. Et on a essayé de couper le poulet parce que c'est très difficile. Yeah, okay, how about we two? The chicken is in the bag. The chicken is in the bag. Et les autres élèves ou étudiants partagent le poulet entier parce que nous sommes très gentils et on partage. Je suis retournée de Clisson et du carnaval de voyage autour du monde. C'était très très cool. J'ai beaucoup de petits trucs dans mes cheveux parce que les personnes ont beaucoup lancé des petits papiers. C'était très drôle et c'était très cool parce que j'aime bien les autres cultures. J'aimais bien le parade et il y avait beaucoup de stéréotypes, mais c'était pas grave, c'était très amusant. Et oui, c'est déjà le dernier voyage, je peux pas le croire, mais je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir. Oh my gosh, this is the thing of Canada.